La police déjà arrêté plus passé 18 moun qui t'accomplissent dans la mort président. Mais dans 18 moun sa yo qui complissent dans la mort président, il y a 3 là d'ailleurs qui c'est 3 haïtiens qui vraiment attire attention nous. Regardez mes amis, Zéan presse dans la République. Zéan tellement presse. Regardez, ça pas bien rangé corps. Eh bien, monsieur dame la police, s'est menté 7 fois, 77 fois, n'importe gens faut que yo baille président en justice qui juste. Et c'est ça que fait, yo entré pied yo, mais yo toute longueur dans bataille là, puis yo al kwape tout bandi qui t'a participé dans la mort président Jovenel Moïse là. Regardez. Ou pas ta remè président joindre justice? Ou pas ta remè yon exemple tracé dans le pays ya, pour ça pas jamais rive encore? Mais bien, sou ta remè ça, prends tiches bon pour tant de détails. Pour tant de qui trois haïtiens qui ta complice dans la mort président de la République là, Jovenel Moïse. Eh bien, qui te m'di ou, la police mette en bas code docteur Christian Emmanuel Sanon. Kéodzi, qui est chef opération assassinat président Jovenel Moïse là. Eh bien, hier soir, te gen yon CSPN au niveau de résidence privée, premier ministre Ayan Claude Joseph. Eh bien, côté que de GPNH là, te bail et citoyen ça, Christian Emmanuel Sanon, qui t'a premier auteur intellectuel crime ça. Yon bagay ki m'tap cherché en lè, et bien nous joignons sou la tête. Parce que faut que nous connaît qui jan ak pa comment si c'est à Colombien vraiment vrai ou du moins l'autre qui était président, mais qui est moun qui ba l'autre ça pour ta exécuter président. Et bien mesdames et messieurs, bonne bien. Attendez bien. DGPNH la fait connaître yo jwenn yon kepi ki marqué DIEDEA la Kaisano. Yo jwenn zam ak environ 20 bras de cartouche ak plusieurs plaques machine dominicain ak l'autre bagay. Selon sa ke Léon Charles rapporté, yo jwenn note de correspondance qui adressé à plusieurs secteurs dans pays ya. Ça veut dire Christian Emmanuel Sanon, c'est lui-même après assassinat président qui t'a venu sous fauteuil bourré dans le palais national pour le prendre contrôle pays. Donc j'aime dire nous citoyen ça, yo t'a fait connaître que li entré dans pays ya dans un jet privé. Et bien donc c'est lui-même d'où même jet là li entré ya, c'est même jet ça. Donc, il va tourner avec le président à la gueule dans le pays pour te prendre exil comme ça doit. Eh bien, je rappelle que Christian Emmanuel Sanon, c'est un médecin qui est âgé de 33 ans. Et c'est le troisième personnage haïtien qui vient pour avec le crime. Je rappelle que deux citoyens haïtiens qui ont déjà arrêté dans le dossier, c'est James Soulage avec Joseph Vincent. James Soulage qui a 35 ans, Joseph Vincent qui a 55 l'année. Donc haïtien ça yo, donc ce sont des américains yo, donc moun sa yo naturalisé normalement et bien yo t'a évolué dans côte Floride là dans la cour États-Unis. Qui t'aime dit nous mesdames et messieurs. Tendez bien ça m'a dit nous. Citoyen ça qui relé Christian Emmanuel Sanon doué l'état américain yon paquet l'argent. Donc, il pas même qu'à payer, ça veut dire qu'il est chargé dans la cour États-Unis. Il y a un monde qui fait connaître que. Donc, si Christian Emmanuel Sanon t'a complice dans la mort président, eh bien, il y a un nèg qui va même gagner assez l'argent pour le payer dans les États-Unis. Donc, pour le gagner un cob pour le payer, des mercenaires viennent tuer un président. Eh bien, ça veut dire qui ça? Ça veut dire Christian Emmanuel Sanon. Pas pour contre lui. Christian Emmanuel Sanon, gen l'autre moun derrière. Donc, moun sa yo, Christian Emmanuel Sanon pral gen pour le dénoncer moun sa yo tout. Pour le dire, mais un tel, donc,
pour la police à faire devoir comme ça doit à marrer l'autre assassin criminel ça yo. Est-ce que vous comprenez bien? Donc ça veut dire bagaille là les fait commencer dossier jeune toujours. Donc grand monde 63 l'année ça rêve lui j'aime dire non il toujours parler sur les réseaux sociaux. Donc sous question état pays. Donc mais nous pas penser si ton criminel nous pas nous penser si t'attendre. Donc dans l'élection qui t'a fait yo pour le temps l'élection comme ça doit. Eh bien citoyen ça c'est pas ça le fait. Donc nous pas connaître qui est ce qui est engagé parce que il pas pour côté. Donc payer plus passer et 18 colombiens pour faire entrer dans pays a déjà dépense là énorme. Donc pour ta faire maquiller yo ba au matériel ba aux zam pour faire entrer la caille président pour assassiner. Donc on pense que ça il gagne un coup. Et ceci mercenaires yo yo pas travail pour petit cal l'argent. Moun ça c'est pour millions au travail. Donc si mouche ça gagne tout problème ça, il pas ca payer et l'état américain l'argent douel aux États-Unis. On croit que Christian Emmanuel ça non pas pour contre lui. Donc faut que li baille leurs citoyens. Gien bagay tout qui attire attention moun yo. Christian Emmanuel ça avec Emmanuel Sanon. Donc monsieur Sayo toujours participe dans une série de gros réunions que ce soit aux États-Unis qu'en en Haïti. Et ceci tous les deux monsieur Sayo c'est moun Jacques Melchior. Moun Jacques Melchior donc c'est de ni Christian ni avec et James Soulage gien de très 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 bonnes relations. Donc ça t'a veut dire James Soulage après même les j'ai fini apprendre m'a connait c'est l'électeur président ou pas. Donc premier monde qui l'a relé c'est citoyen ça pour le dire mon cher président yo exécuté dégage ou vinn prend pouvoir là. Est-ce que nous comprendre? Donc on croit que jusqu'à présent la justice a fait son petit bonhomme de chemin. Eh bien bamzou ça m'a dit là ou pensez le menti bam faut attendre de GPNH là Léon Charles qui t'a parlé comme ça dans micro la presse pour dire clairement James Emmanuel et Christian Emmanuel Sanon pardon c'est auteur intellectuel qui t'a cherché dans assassinat président Jovenel Moïse là mesdames et messieurs ça qu'a passé yo avec en pile précipitation moi pense que je dis faut que tout acteur politique yo faut que tout monde ensemble met tête yo ensemble pour nous capables d'une justice, pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça qui intéresse nos principales préoccupations, c'est une justice, c'est l'enquête. Nous avons une précipitation, yo, mais il y a tombé par propre tête. Pa yo. Parce que c'est la vérité qui peut blâmer, pas gagner un lien qui peut entraver le processus, l'enquête là que la police a mené. Après trop long, m'a passé. Mikoa à DGAI, Police Nationale d'Haïti, lui-même qui disposait de l'autre élément nouveau dans le cadre d'éléments enquête sur assassinat acte barbare sous président Jovenel Moïse. Merci un peu. Merci PN pour l'opportunité ça pour nous l'autre fois encore pour nous informer pays le monde entier sous évolution enquête qui diligentée dans le cas assassinat président nous. Pendant que deux dans le cas d'investigation ça il y a deux niveaux d'enquête qui commencé. La première enquête c'est l'enquête administrative qui a fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, inspection générale, prend des mesures conservatoires et n'a continué à chercher information pour garder le degré d'implication de chaque entité. Dans l'enquête judiciaire qui a conduite par
la direction centrale de la police judiciaire, nous nous phase très avancée. Par rapport à la présentation que nous avons fait vendredi dernier, et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui font partie de commando ça qui a attaqué la résidence président. De 26, nous, de vendredi à jeudi, il y a un qui récupéré avec appui population en Colombien et bon, l'autre haïtien que nous arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus 1 haïtien que nous avons arrêté récemment. Monsieur Sahar, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1958. Information ça a été menée nous. Caille individu ça. Et m'a dit, jusqu'à présent, c'est un individu qui était entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de la sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance à eux que nous avons mentionné déjà. Il est entré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques mounsayo qui t'apprend dans un premier temps assurer sécurité business li, tête pali en tant que président de la République. Mission qui t'est gagnée au départ, c'était bas à sa ansayo, c'était dans un premier temps pour assurer sécurité. Individu Emmanuel Sanon. Mais par la suite, mission a changé. Bien entendu, information ça, nous recueillons une enquête, entrevue que nous avons avec bandit colombien ça, en présence de un interprète et qui est dûment autorisé pour faire ça. Mission a changé. Nous présenté par Yon. Dans la salle, on mandat pour y aller procéder à l'arrestation du président de la République. Le mandat est très connu, la psychologie, nous tous connaissons. Et l'opération a monté à partir de là. Il y a 22 lots assaillants qui viennent rentrer sur une première équipe. Et puis des contacts qui sont établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, lui était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandissaire. Le fin perpétré crime ça premier monde que yon na sa yon rele c'était Emmanuel Christian Emmanuel Sanon qui prend contact avec deux autres monde qui impliqué que nous reconnaître comme nos bras n'a venu au fur et à mesure avec éléments comme auteur intellectuel de l'assassinat président Jovenel Moïse. Mais ça nous joint la caille. Christian Emmanuel Sanon. Nous joignons un képi qui écrit
DEA. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous jouons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cibles de tir non utilisées. 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. N'a profité pour nous dire tout. Gagner plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration nous, qui nous permet de retracer l'élément qui a quitté la Colombie, qui est-ce qui paye billet pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, yo, qui est-ce qui paye yo, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que City You, la firme que nous parlons, nous, est basée en Floride. Donc, c'est toute information que nous gagnons pour nous partager avec la presse, la population et le monde entier. On dit que le gouvernement, la police là, déterminé et n'a pas avancé, à pas sûr, sous auteur intellectuel, parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commandos, anciens militaires colombiens, qui souterrain. Il y a 5 là-dedans qui sont en cavale. Nous avons demandé à la population pour continuer à contribuer, aider la police à rechercher, parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée, qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans, nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers capteurs avec nous sur le CESA. DGPNH l'a parlé, PMAI a parlé, et bien, président Jovenel t'a assemblé sur route pour joindre justice li, comme ça doit. Et nous t'a souhaité, c'est pas une justice qui maquille. Nous t'a souhaité, c'est pas une justice qui a acheté par le président. Nous t'a souhaité que c'est pas une justice qui a faire moun injustice. Nous t'a souhaité que c'est une bonne justice, une justice qui est juste, en justice qui doit, en justice pour que le président, côté la guerre, pour reposer dans la demeure éternelle l'IA, pour dire, monsieur, donc si je ne pas contre bataille, si je ne pas contre comme ça, je ne veux dire, qu'a fait couler ma sette, mais au moins, monsieur, ça, il y a beaucoup mourir, mais quand même, il y a un côté, il n'y a jamais eu droit pour assassiner pièce pour encore dans le pays. Donc, citoyen, ça, Christian et comment monsieur là encore Christian et même que t'as oublié nos assassins vous amis Emmanuel Christian et avec James Soulage et puis Joseph Vincent, donc ces trois haïtiens ça yo la police déjà mettait en bas code qui t'a complice dans la mort président Jovenel Moïse était tué dans la nuit pour l'ouvrir 6 avec 7 juillet la Kylie devant madame li devant petite li mesdames et messieurs.